La grangette, c'est un véritable masse-langue d'Ossien, c'est-à-dire qu'en fait, on a toutes les vignes autour et on a une cour intérieure. C'est un domaine qui est assez vieux puisqu'on a retrouvé des cuves qui dataient de la Révolution française. Le domaine il s'étend sur 20 hectares de vignes, donc 10 hectares de picpoules de pinet. Et donc on a repris le domaine il y a 8 ans. Et depuis 2018, on est en conversion biologique. On a de plus en plus de demandes sur les vins bio. On a 2 enfants, donc on voulait vraiment essayer de faire un effort et pour l'environnement et pour nous aussi. Donc le cépage picpoule blanc, c'est un cépage qui donne un peu de fil à retordre puisque c'est pas forcément un cépage facile à travailler. C'est un cépage qui est tardif, c'est un cépage qui s'égrène énormément, donc c'est toujours très compliqué de savoir à quel moment on va déclencher les vendanges. On peut avoir un risque de perte de récolte si on y va trop tard, et à la fois si on y va trop tôt, on aura trop d'acidité. On vinifie 2 cuvées dans le picpoule AOP picpoule de Pinet. Une traditionnelle, voilà, c'est notre gros de la production. On fait ça la nuit pour amener de la fraîcheur, voilà, et travailler les mous pendant la fermentation à froid en fait. Voilà. Et après on a une petite cuvée, on a 4 barriques. Pendant la fermentation en fait, on va entonner nos barriques et donc toute la fermentation va se faire dans la barrique, un peu comme ce que font les bourguignons avec le blanc. La cuvée poule de pique. En AOP picpoule de Pinet, chez nous, ce nom de cuvée, en fait, c'est un choix parce que c'est vrai qu'on a entendu parler de la légende sur ce cépage picpoule, que des poules étaient dans les champs de vigne auparavant. Et comme le cépage picpoule est un cépage qui s'égrène énormément, quand les raisins étaient mûrs, eh bien, ils tombaient sur le sol et les poules le picoraient. Et c'est à ce moment-là que le vigneron a décidé de déclencher ses vendanges.